Quand je commande un truc sur internet là. Oh les livreurs, c'est à vous que je parle là. Parce que vous serez livré entre 7h et 18h, c'est pas une fourchette, c'est un service de table. À ce moment-là, quand vous me demandez c'est quoi votre adresse, maintenant j'écrirai entre Toulouse et Auxerre. Le colis met un jour pour faire San Francisco Orly et il met une semaine pour faire Orly Saint-Cloud. Non. Alors si vous me dites que vous livrez assis sur une autruche, là, je veux bien vous croire. Si si si, je comprends. Une autruche, ça part dans tous les sens. Moi, les seuls livreurs que j'ai vus, ils sont en fourgon. Donc a priori, t'as 5 vitesses. Si tu suis le code de la route, normalement en 1h15, tu y es. On est en 2021, bordel de merde. Il y a un mec qui vient de Rouen qui s'appelle Thomas Pesquet. Il est dans une capsule en orbite en train de jouer au ping-pong. Et lui, le jeudi soir, son programme, c'est Saint-Nectaire sur du pain aux céréales, livré la veille en direct du producteur. Et toi, tu sais pas à quelle heure tu vas me livrer mon mini billard. Donc, écris pas livraison, d'accord? Écris mec qui a un garde-meuble et qui livre quand il a un trou dans son planning. Ça marche bien avec les pizzas et les taxis. Alors je vois pas pourquoi ça marcherait pas avec une poêle, un costume bite ou un boudin de porte.